Salut à tous, enfin re-bonjour, hein, puisque la plupart d'entre vous étaient déjà là pour mon superbe gameplay sur... Oula, qu'est-ce que ça a mal vieilli quand même, Tomb Raider. Le super gameplay, donc, c'était sur Curse of Darkness. Alors, on va voir des boobs triangulaires, effectivement. Donc, aujourd'hui, comme promis de longue date à Alcanoid, donc aujourd'hui on se fait un petit Tomb Raider et pour la première fois on va se faire ça. Hop là, regardez, c'est ma petite manette Saturn japonaise. Donc on va se faire un petit Tomb Raider. Alors voilà pourquoi, regardez en haut ouais. Regardez un petit peu en haut l'écran, vous voyez que il y a des choses qui ont été coupées, il y a des choses qui ne passent pas vraiment sur l'écran. Donc écoutez, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai autant ramé pour enfin arriver. Je sais pas, il y a un souci quelque part, je ne sais pas d'où ça vient. J'essaye, vous voyez, bon, j'essaye un petit peu tout. Mais j'arrive pas à aligner ça correctement. Donc bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va se le faire comme ça. Il manquera un petit bout en dessous. Alors pourquoi sur Saturn? Bah parce que j'avais envie. Tout le monde l'a fait sur PS1. Alors pourquoi pas sur Saturn, écoutez. Bon bah écoutez, avant de se lancer donc ce rétro beat'em all, puisque vous voyez en haut, évidemment ce n'est plus un Castlevania Time and Project, c'est un bon vieux rétro beat'em all des familles. Donc je suis sûr que vous l'avez oublié, je vous en remets un petit coup de générique. Allez, à tout de suite. Oui, bah oui, forcément, Mobinus. Je me suis tellement débattu avec ce truc-là sur Tomb Raider que j'ai pas cherché à essayer de remettre à essayer de remettre comme il faut le nom de la chaîne Twitch. Alors, juste une question, vous allez pouvoir me dire si vous avez l'impression... Enfin, est-ce que là tout va bien? Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort par rapport au son du micro, comme d'habitude? Une petite question par rapport à ça. Il y a des patchs graphiques, oui, effectivement, mais l'idée, c'est qu'on fasse tout sur console et... Enfin, que on. Enfin, moi, de toute façon, je veux rien faire sur PC, je suis un consoleux avant tout. Non, c'est bon, me dit-on, à l'oreillette. Alors, si je me rappelle bien, le guide, il meurt, je crois. Il me semblait bien. Il se fait attaquer par les loups! Oh mon dieu! Des loups tout en polygone! Ça aussi, il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi Lara Croft, dans ce passage-là, elle se fait chier à découper la corde alors qu'il suffisait simplement qu'elle la lâche. Enfin bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Alors, comme on a commencé évidemment un petit peu tard, on va se débrouiller pour qu'on ait à peu près 45 minutes de gameplay, ce sera déjà pas mal. Alors, sur Saturn, j'y ai jamais joué, je crois. Donc, c'est pas je crois, si j'ai jamais joué. Et puis je me rappelle absolument plus des contrôles. Alors je crois que avec la gâchette gauche on vise, avec la gâchette droite on tire. Mais après il faut que je trouve à quoi servent les autres boutons. Et surtout il faut que je retrouve comment on fait le saut de l'ange. Oh mon dieu! Bon, j'ai trouvé comment on saute. Alors, attends voir là. Ok. Ok, j'ai trouvé le salto arrière. Alors, j'ai trouvé... Ah oui, c'est vrai que...
il fallait qu'on dégaine. Ah d'accord, donc là, c'est pour faire des... Là, c'est pour marcher, ok. Et comment... D'accord, là, c'est les pas de côté. Ok. Ça, c'est la caméra libre, d'accord. Et comment on tire? Ah d'accord, c'est comme ça qu'on tire. Ok, pourquoi pas. Bon, on va voir. Ah ouais, là, le gameplay, il est... Wouh! J'avais même pas vu que je suis passé au travers des flèches. Oh là 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 là. Très très rigide comme gameplay. Tiens, je vais mettre un peu de son, parce que sinon... Alors... Ah oui, c'était là-haut. Exact. Oh, mon dieu. Eh ben... Comment on monte? Ça y est, j'ai retrouvé. Oh là là. Un bouton pour monter qui est différent du bouton pour sauter. Putain, j'avais complètement oublié ça. Ouais, petite chauve-souris, là. Voilà. Eh ben, et dire qu'on se plaignait de Castlevania, que c'était vide. Alors... Heureusement que j'ai monté le son. C'est vrai que ça a énormément vieilli quand même. Hein. C'est assez impressionnant. Alors. Voilà, voilà, les boobs triangulaires. Alors non, qu'est-ce qu'il faut faire là déjà? Là, ouverture. Il y a des trucs au sol, on sait pas trop ce que c'est. J'ai fait mal à Lara, dis donc. Ouh. Ah oui, exact, il fallait appuyer. Et ouais, il y avait un bouton pour choper les parois. Oh là 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 là, je sens que je vais me faire avoir une paire de fois par ce truc-là. Bon, alors, ça manque quand même les sticks. Hein. Ok. Alors. Bah, il faut revenir là, hein, si j'ai bien suivi. Comment je remonte là-haut? Par ici. Ah oui, oui, non mais ça c'est sûr hein, qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Mais ce qu'il y a de bien avec le rétro, c'est que bon, tu... On voit quand même que les exigences ont vachement changé quand même. Hein, parce que là, il y a des choses qui... Au niveau du gameplay quand même, on a beaucoup évolué. Il y a pas mal de choses qui ont changé et qui nous ont permis quand même d'avoir de belles progressions. Parce que là, franchement, un bouton pour sortir les guns, voilà, sinon tu peux pas tirer. Un bouton pour tirer. Ah, il y a un truc là-bas en bas, mais j'ai pas envie. Ensuite, le... comment ça s'appelle? Ouh, j'ai cru que j'ai... Je crois que j'ai failli faire une connerie. Allez, ça commence. Ça y est, ma première mort. Ouais. Je suis allé droit sur un ours aussi, quoi. Ça me fait repartir d'où, ça? Ah ouais, carrément, du début. Ok, il est comme ça ce jeu. Il faut recommencer du début. D'accord, bon.
Eh ben allons-y, on y retourne. Quand même. Beaucoup plus beau que dans mon souvenir. Ah bon? Tu trouves qu'il est beaucoup plus beau que dans ton souvenir, toi? Ah, mais faut dire aussi que vous avez une image qui est nettement moins aliasée que ce que j'ai là. Donc, forcément... je m'en rappelle plus, d'ailleurs. Ah, elle avait même pas vu que tout à l'heure, elle me montrait où je devais aller. Ah, ça y est, je m'en rappelle. J'ai retrouvé le saut de l'ange. Ah, ces blocages contre les murs, c'est impressionnant. J'ai retrouvé mon saut de l'ange. Allez. Alors. Putain, mais des fois, elle avait des soucis de gâchette, non, Lara Croft. Bon, on va pas s'embêter à aller péter les loups en bas. On va directement... Ouh, petite glissade. Hop. On va directement passer par les passerelles. Oh là là, mon Dieu. Mais... Putain, si t'es pas parfaitement aligné... Bah. Oh mon Dieu! Si t'es pas parfaitement aligné, c'est mort. Hein. Tu peux toujours essayer. T'y arriveras pas. Ah, c'est impressionnant. Ah! Bon bah ciao Eurasil, à la prochaine. Toi, tu te souviens jusqu'au T-Rex, franchement, je m'en rappelle absolument plus, moi. Donc là, c'est bon. Tac. Là, ça le fait. Non, on n'a qu'à péter les loups comme ça. Voilà, ça au moins c'est fait, ça limitera les conneries si jamais je venais à tomber, ou un truc du genre. Heureusement que j'ai vérifié quand même le niveau du son par rapport au niveau du micro, parce que là franchement, qu'est-ce qu'elle envoie la musique. Il y a quand même une ambiance particulière, hein. Tu me diras, remarque, si on était des chasseurs, des pilleurs de tombes, nous aussi. Je pense pas qu'on aurait beaucoup de musique dans les oreilles. Bon, alors. Alors, est-ce que c'est ça, les sauvegardes? Oui! Yeah! En fait, je suis mort pile poil à la sauvegarde. Bon, là, tout va bien. Alors, que se passe-t-il? Mais j'y crois pas, elle était encore en train de tirer sur le loup qui était au sol. Elle était encore en train d'allumer le loup qui était mort.
Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, comment je fais déjà pour avoir le free look? Voilà, il est là. Bon, là, ça a l'air d'aller. Ok, c'est safe. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là, ici? Ah, il y a ça là-bas à ouvrir. Raté. Après compte de jeu, ouais, effectivement. Ah, ça, je supporte pas. Ok. Très très sombre quand même. C'est... Il y a des parties. Ah oui, il me semblait bien ouais, qu'il y avait un truc de ce genre-là. Alors. Là, il faut se laisser tomber, je crois. C'est ça. Alors, next! Je le sens moyen, ce passage-là. Je le sens moyen. Il y a un truc à faire avant, je crois. Alors... Maintenant, je préfère déclencher la phase de A. Elle trouve un petit truc là. Oui, j'ai trouvé un. Voilà. Chouette de la vie. Alors. Allez, on va se mettre bien en face. Allez, on se retourne et on y va. Fonce! Fonce, Lara, fonce! Alors, il est de quel côté l'ouverture? Elle est... C'était là, donc? Voilà, c'était là. Wouh! Fin du premier niveau. Vous voyez... C'est découpé. Zéro secret sur 3. Ah. Bon. Je suis pas bon, moi, question secret. Alors. La suite de la caverne. Ah, je me rappelais que ce jeu, il partait vers la fin, quand on se rapprochait de Sion, il partait vraiment en sucette, quand même. Hein. C'est intense, oui. Ah ouais, c'est très très intense les Tomb Raider. J'ai pas bougé quoi. Ah, il y a vraiment des choses qui ont mal vieilli quand même, hein. J'ai beau adorer le rétro, mais franchement, des trucs comme ça, ça a extrêmement mal vieilli. Hein. Voilà, pouf. Puis alors, c'est hautement con quand même. Tu laisses le Lara tirer comme une malade, et elle va s'acharner sur le cadavre qui est au sol, quoi. Puis alors, voilà, regardez-moi ça. C'est admirable quand même. Alors, il y a des fois, ces petits guns, ça devient des Uzi. T'es chelou. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Tiens, d'ailleurs,
Question. Ah ben voilà, comment on se sert. Comment on fait pour sortir. Hein, j'ai eu un petit coup de flip là. Je me demandais comment on faisait pour sortir le. L'inventaire. Alors, qu'est-ce que j'ai déclenché là? Oh ouais, youpi! Le petit saut latéral. Alors, là-dedans, il y a quoi? Il y a un peu rien du tout. Ok. Oh merde! C'est raté! C'est supra rigide! C'est impressionnant! Voilà, ça y est! Oh fuck! Donc! Ah là, faut qu'on m'explique. Je sais pas vous, mais moi je vois des poignées. Et elle, comment elle le fait pour tirer un truc comme ça par en dessous, quoi? Ah, il y a des choses comme ça, je m'en rappelais pas. Bon. Allez, soit. Allons-y, gaiement. Ah ouais! Les bonnes petites textures en 2D façon Doom, regardez! Tu veux tourner autour? Tu peux pas! Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, une key! Ah! The Skeleton Key! Ah! Ah ben voilà un petit secret! Si j'arrive à m'aligner correctement pour le choper. Ah ah! Youpi! Bon, alors ensuite. Comment fais-je? Là-haut, visiblement, je ne peux pas y aller. J'ai un peu l'impression d'avoir raté un truc là. Est-ce que ce serait pas le deuxième secret, ça d'ailleurs? Allez, youpi. Ouais. Alors. Mais. Voilà. Ah ben non, c'est pas un secret. C'est une trousse de soins. Putain, mais pour s'aligner, mais c'est. C'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire. Bon, alors. Visiblement, c'est pas là. Fais-nous un speedrun. Je veux bien, mais je ne trouve pas la suite là, parce que c'est pas par là. Là, c'était la clé. À moins qu'il faut que je récupère le cube et que je me le ramène jusque là. Mais ça va être long. Alors, on va voir si c'est ça. Il faut bien attendre qu'elle se mette en place pour commencer à tirer. Voilà. Ben ouais, ben apparemment, c'était ça. Allez, tire, ma grande. Vas-y. Tirez, madame. Allez, vas-y. Vas-y, tire. Tu peux le faire. Allez, encore. Remets-nous 15, Ruffo. C'est pas fort, remarqué. Hein. Je me plaignais d'un problème de rythme
sur Curse of Darkness, mais bon, là, on peut pas non plus dire que ce soit le même type de jeu, quand même. Bon, c'est bon, j'ai trouvé la suite. Hop. Dis donc, ça va super vite, les sauvegardes. Alors, ensuite, où dois-je aller? Est-ce que je viens pas de là, moi, par hasard? Oui, hein. Je viens de là, donc il faut que je retrouve la porte avec le crâne. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que j'ai fait tout le tour, quand même. Alors, la porte avec le crâne... Elle est où? Je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, voilà, je suis parfaitement aligné. Ah d'accord, mais parce que ça fait un bruit bizarre, donc... J'ai un peu eu l'impression que c'était pas bon, et en fait, c'était bon. D'accord, Tomb Raider, le jeu qui te fait croire que t'as pas eu le bon truc, en fait, si. Ok. Oula. Je m'en suis rendu compte tard que... Alors, so what? Quand même garder les guns au cas où. Mon dieu, un peu de flotte. Chouette, je vais pouvoir faire mon saut de l'ange. Je suis nul, c'est pas possible. Oh là là, la précision de ses sauts. Mais allez, mais quoi, mais saute. Pourquoi il saute pas, cette niaille? Enfin un peu de son, enfin un peu de musique, je veux dire. Saute! Oui, c'est bon. Non! Tomb Raider, c'est comme Mortal Kombat, tu te demandes comment ils ont pu aller au-delà du 1. Oh, c'est pas vrai, Tomb Raider, quand même, c'était... Oh, mais merde! C'est pas possible! Je vais y arriver, oui. Non, mais... Je vous jure que je le fais pas exprès. Je vous jure que je ne le fais pas exprès. Alors... Mais... Putain! Je vous jure, j'avance, je demande à sauter, et elle met 1000 ans, quoi. Donc il faudrait en fait que je saute et... Voilà, il faudrait que je fasse ça. Voilà. Donc on va marcher aussi, tant qu'à faire. Mais c'est pas possible, oh là là. Ce truc.
Et pourtant, je suis pas un signe d'eau, hein, il paraît. Les béliers. Oh là là, la caméra, elle s'est surpassée. Bon alors, on va se mettre bien au bord. Non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Sinon, tant pis, je vais prendre de l'élan. Je vais prendre de l'élan sur toute la. Sur toute la plateforme. Ah puis alors ouais, c'était le festival des textures qui disparaissaient ce jeu. C'était assez impressionnant. Alors, hop, petit pas de côté. Voilà, ça y est. Allez hop, d'une traite là, on y va, on continue. Hop 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 hop, on avance, allez, allez, Ah ah, je vais pas me faire avoir là cette fois-ci. Yo. Et chauve-souris, je m'en fous! Un abattre des chauves-souris! Bon! Alors, what's this? Shit! Ah, petite trousse de soins. Donc, qu'est-ce que ça va me déclencher ce truc-là? Ah oui, c'est vrai que sur ce passage-là, on revenait à chaque fois au début. Exact. Pourquoi j'ai des cartouches de magnum, de pompe, alors que j'ai toujours pas le pompe? Hein? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Il est où, mon pompe? Et pourquoi, là, je n'ai pas accès à ma sauvegarde? Tant pis. Alors, il n'y a pas de pompe? Il n'y a pas de pompe. Non, il n'y a pas d'ennemis non plus. Bien. Eh ben, continuons. Hop! Encore! Ah, c'est un débat plus visieux. Alors, raté, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est ça. Mais non! Alors la question c'est maintenant, comment je vais moi? Est-ce qu'il y a un système qui me fait revenir les trucs ou pas? Là, il n'y a rien de spécial. Le pompe est après le T-Rex. D'accord. Alors là, le problème, c'est que il n'y a pas de... Il n'y a pas de wall run. Donc, comment je vais faire pour aller là-bas? Comment vais-je faire? Est-ce que je suis obligé de recharger? Est-ce que je suis obligé de sortir? De faire style que... Et en fait, tu reviens... Et c'est parvenu. D'accord. Donc, ça veut dire quoi, là? Je peux pas. Donc, je dois faire quoi, là? Je dois reload? Hein? Je dois recharger tout? C'est pas sérieux. Je vais pas me recharger tout le bordel. Attends voir. Attends voir. Parce que là, en plus, il y avait le... Il y avait une sauvegarde en haut. Je peux quand même éventuellement... Eh non. Oh, mais... Shot. Tiens, saleté. Va gaver. Voilà. Hop, petit pas de côté. Voilà. Bon, ça, c'est bon.
Est-ce que je peux peut-être trouver un moyen d'aller... Non, ça c'est bon. Si j'arrive à aller à la sauvegarde en haut, ça ira, parce que je sauvegarde et du coup après je reviens. Je relance la sauvegarde, mais comment faire? Certainement pas comme ça. Je suis calé là. En plus, apparemment, ça doit être un truc où il faut revenir en fait. Oh putain, la sauvegarde, elle était là en fait. Elle est après ça. Après ce passage-là. Là, évidemment, c'est pas revenu. Forcément. Eh oui. Donc, j'ai un peu l'impression. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas le choix, faut refaire. Bien, bien, bien. Eh ben, les mecs, merci, hein. Super bien pensé, votre truc. Alors, j'ai l'impression qu'il y a marqué log game. Eh ben, donc là j'ai sauvegardé ouf la dernière fois. Est-ce que c'était après la clé? Je m'en rappelle plus. Ça va être palpitant ce Tomb Raider. Oui, c'est ça. C'était quoi déjà? Oui, c'était ça. Mais pourquoi arbitrairement elle a fait demi-tour? Ah, voilà. Bon, ça. Je pense que là. Ils y sont tous passés. Alors, écoutez bien. En fait, c'est bon. C'est trop chelou. Allez. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Ça fait pas mal. Eux, par contre, font un petit peu plus mal. À une époque, alors, non, j'arriverai pas à le refaire. Mais à une époque, il y avait moyen de sauter et de se retourner en même temps. Alors, je sais plus si c'était au premier Tomb Raider ou pas. Bon, ce passage-là maintenant, je maîtrise. Hop, allez, petit pas de côté. Voilà. Et voilà. Donc, ça c'est bon. Alors, il y avait pas une petite chauve-souris. Bon, tant pis. Là, c'est bon. Les loups, quand même, ils ont une posture quand ils sont morts. C'est assez impressionnant. Alors, merde. Depuis tout à l'heure, j'y vais à fond là sur le. Oh,
Voilà, comme ça au moins, je perdrai pas de vie. Ah oui, puis, j'ai failli oublier. Voilà. Oh merde! Ce jeu, ah c'est pas possible, ah j'en reviens pas, merci pas plus, complet quoi, oh là 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 là, c'est pas possible, je vais mettre 1000 ans à l'atteindre ce, je vais mettre 1000 ans à l'atteindre ce, comment ça s'appelle, ce point de sauvegarde. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça ira un petit peu plus vite par là. Hop! Je suis trop forte, je trouve direct la clé que j'ai rangée dans un énorme sac à dos. En plus, j'ai droit au chauve-souris. C'est trop bien. Je suis gâté. Ah, il me semblait bien qu'il y en avait un autre. Et il y en a même deux. Voilà. Bon, allez. On va éviter de faire trop de conneries, là, quand même. Oui, c'est prévu que... C'est prévu que j'aille jusqu'au bout. Ça risque d'être dur. Oh putain, c'est pas vrai. Bon. Faut dire que Super Meat Boy, ils ont rien inventé, hein. Le Die and Retry, on y avait droit avant. Alors. Ouh, j'ai cru que c'était... J'ai cru que j'allais être trop court. Oh putain, j'ai failli faire une connerie, moi. Voilà. Tant qu'à faire, on va avancer à reculons. Bah vas-y, vas-y, retourne-toi, sors surtout pas tes flingues. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah oui, alors là-dessus, Alka, franchement, t'as bien choisi ton jeu, oui, ça c'est sûr. Eh bah comme ça, au moins, au lieu de râler tout le temps, on va rigoler un bon coup. Putain, mais j'en ai marre de me planter dans les murs. Alors, hop. On va reculer doucement. Voilà. Hop. Alors ensuite. Donc ça. Bon, je vais éviter de me planter deux fois. Voilà. Dites donc. Bon alors. Donc là, j'ai pas le choix. Il faut impérativement réussir ce saut. Sinon, je suis cuit. Faut dire que la caméra, elle aide vachement. Oui ! Alors. Apparemment, j'ai pas le choix. C'est ça. Non. Non ! Mais...
Mais tu vas me le faire ce saut en arrière, oui? Voilà. Bon, ben ça sent la sauvegarde là, hein, l'ennemi. Là, il y a un peu rien du tout. Donc là, on va ouvrir la porte du milieu, c'est ça. Et j'ai affaire à ma sauvegarde. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça me fait mes 3 quarts d'heure de lose. Voilà. Et save game. Bon, allez, ça y est un peu aujourd'hui. J'ai été quand même suffisamment mauvais pour cette fois-là. Donc, je vous remercie à tous. Gros bisous, Beko. Et puis encore une nouvelle fois, bonne année à tous, bonne année 2015. Vous allez voir que elle va être quand même pas mal. On va bien se marrer. Il y a des chances que ça soit suffisamment drôle. Et puis bah donc dimanche prochain. Alors pas demain. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait aujourd'hui, comme ça au moins on en finissait une bonne fois pour toutes avec Curse of Darkness. On avançait un peu sur Tomb Raider. Et demain, je vais pouvoir faire ma tournée du jour de l'an où je vais aller distribuer les bonnes années partout, dans toute la familia. Donc c'est pour ça que demain, j'avais besoin de mon dimanche. Donc, je vous fais des bisous. Encore une fois, une très bonne année 2015. Remplissez-vous de jeux modernes et de jeux rétro. Essayez de faire vivre les deux. Vous allez voir de toute façon que en 2015, il va y avoir du lourd. D'ailleurs, pour ceux qui suivent nos émissions offline, qui ne sont pas en direct, sur YouTube, sachez que avec Anenisha et Sanosake, on va se faire une réunion. Et puis, pour la troisième année consécutive, attendez voir, je crois que ça va être là, non, un, deux, ouais, trois ou quatrième année consécutive, on va vous servir donc un récap de toute l'année à venir, de tout ce que nous allons avoir comme jeu vidéo en 2015. Et franchement, il va y avoir du lourd. Allez, sur ce, bon dimanche, puisque il vous reste encore demain pour vous reposer. Et puis après, donc, vous attaquerez votre première vraie semaine de boulot de 2015. Allez, bisous, bye bye, et puis à dimanche prochain. Ciao, ciao!